Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Tower of God. Alors cette vidéo, je pense que vous la verrez dans très longtemps, même en 2024 je pense. Moi je l'enregistre en 2023, pour tout vous dire, le même le 29. Et donc aujourd'hui on va essayer d'invoquer le nouveau SSR+, donc le monsieur de Noël, je sais pas quoi, avec ses petites lunettes. Donc je vais vous montrer, il est juste là. Franchement il est très stylé. Et d'ailleurs, pourquoi pas aussi avoir celui-là qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a un flow aussi incroyable. Celui-là aussi, je crois, c'est le troisième qui est sorti. Et puis sinon, Evan, que je n'ai toujours pas, qui est l'un des meilleurs persos du jeu. Donc voilà les 4 SSR qui me manquent, sinon j'ai tous les persos du jeu. Et puis, assez parlé, on y va, let's go, tout de suite. Déjà, on a 5 invos gratuites, pourquoi pas. Hop, on va skip. Si ça veut bien skip, merci bien. Hop. Donc on a rien eu, évidemment. On a énormément d'invocations, 100 tickets, plein de trucs. D'ailleurs, j'ai mis en perso tout cela. Les 4 premiers, c'est ceux que je joue dans ma team. Et en 5ème perso, je joue un SSR+, donc je veux pas le mettre. Mais vous savez quoi, on va mettre le nouveau perso. Hop, je l'ai déjà, mais pourquoi pas. Elle est forte aussi. Donc c'est parti, let's go. On espère avoir un maximum d'SSR de ma team. Et pourquoi pas un SSR+ que je n'ai pas, bien sûr. Ok, toujours pas d'SSR. Après les SSR, on n'a pas besoin, parce que bah, je les ai tous. Mais c'est cool quand même, hein. Attention. Ok. Rien encore. On va skip. Ok. On enchaîne, on enchaîne. Ah, du coup, on a un bonus SSR. Mais vous savez quoi, on va le prendre maintenant. Qui est-ce qu'on va prendre? Qui est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va se prendre l'un des deux là. Parce que eux, je les ai déjà en bleu. Ou sinon, au pire, je l'améliore encore. Hein. Je sais pas. C'est quoi on va prendre? Vas-y, on va prendre elle. Elle, je la trouve plutôt forte. Même si elle a été baissée dans les tier list, moi je l'aime bien, c'est mon perso, donc c'est carré. Ok, on continue. Ok, toujours rien. On skip. Hop, on continue directement. De toute façon, on va aller jusqu'au SSR+. On espère juste avoir un peu avant, hein. Ce serait bien. Toujours rien, c'est une dinguerie. Ok, on skip. Hop, on continue direct, on perd pas de temps. Là c'est la méga... Oh, enfin. Enfin, enfin. Un petit SSR. Qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir? Les 4 que j'ai mis du coup. C'est... Oh, nice. Nice, nice, nice. Ok. Exactement celle que je voulais. Parfait. Yong Yang, pardon. Ouah. Désolé, mais j'ai bâclé son nom. Ok, on continue. On est à la moitié des tickets. Et après, on a encore plein de gemmes. Ok. Toujours rien. D'ailleurs, désolé, les gars, si l'écran, vous le voyez en... Vous voyez en vertical. Mais bon. En fait, il n'y a pas le choix dans tous les cas. Ce jeu, c'est un jeu uniquement vertical. Et puis, j'aurais pu mettre des trucs sur les côtés, mais... C'est pas grave, des écrans noirs c'est très bien aussi. Sinon vous regardez la vidéo en format horizontal. Vertical du coup, je confonds les deux. Ok, bon. On a déjà fait 70 invocations, on a eu un seul SSR, si on compte pas celui qui était garanti. En vrai ça pique un peu. Mais bon, tranquille. On skip, on skip. On va avoir plein de pierres par contre, ça c'est incroyable. Ok, on continue. Oh, nice. Ok, un autre SSR. Il a fait l'animation plus le jet légendaire. Oh, l'abeille. Vespa. En vrai, je prends. C'est un très très bon perso. Très très bon perso. Et en plus, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, Vespa, je prends tous les jours. C'est un homme ou une femme d'ailleurs? Je crois que c'est un homme. Moi j'aurais tendance à dire que c'est une femme, mais il me semble que c'est un homme. Oh, encore un nécessaire.
Nice. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est qu'il y a plein de façons de voir si c'est un nécessaire. Il y a son œil, il y a le bâton. Oh, encore! Trop bien, Yeon. Il y a le bâton, il y a le jet en l'air. Si la pierre elle devient orange. Enfin, il y a littéralement au moins, je pense, 6 ou 7 façons de savoir quand t'as un nécessaire. Ok. On a 1 milliard de gemmes. On est à 185. Vous savez ce qu'on va faire? Regardez. On va faire 5 singles. Et on va faire une multi après pour le beau jeu. Bon, du coup, on va skip le plus vite possible parce que c'est des singles, on s'en fout. Hop, je vais vite skip. Allez. Ça serait drôle d'avoir nécessaire en single. Hop, on enchaîne, il en reste 3. Hop, on skip. Encore 2. Comme ça, en gros, les gars, on va être à 90. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Je crois que c'est la vidéo la plus rapide que j'ai fait de ma vie. Genre, depuis tout à l'heure, on invoque. Alors que d'habitude, vous savez, mais j'aime bien parler. Mais là, on fait que d'invoquer. Ok, je crois qu'on est à combien? 190, parfait. Et bah du coup les gars, la multi de la destinée, c'est parti. Let's go. Attention. Oh, bah vous voyez le sceptre. Donc en gros vous avez soit l'œil qui est doré, soit le sceptre qui est doré, soit l'animation quand il balance son sceptre qui devient doré, soit le jet qui devient doré, ou soit le cristaux devant qui devient doré. Enfin voilà. Et là aussi quand il se transforme. Enfin, il y a vraiment plein de solutions de savoir, donc c'est vraiment cool. Tout ce que j'aime est ici. Je sais pas qui c'est. C'est qui? Oh, bam, let's go. Je me rappelle plus du tout de leur texte, parce que ça fait très longtemps. La flamme, je me doutais qui c'était, parce que elle a une flamme. Mais bam, c'est vrai que son texte, je l'avais oublié. Ok. Et bah les gars, du coup, c'est parti. J'aurais jamais dû invoquer autant, parce que bah c'est un peu du gâchis de SSR. Mais vas-y, c'est pas grave. Alors du coup, qui est-ce qu'on veut? Hop, on va tout enlever. Bam. Alors je vais pas vous mytho. Attendez, bougez pas les gars. Je reviens. Ok, re les gars, j'étais sur un site de tier list. Vous savez, moi j'adore ça, les tier list. Pour voir les meilleurs persos. Et donc, on va les mettre par ordre de ceux que je veux et des meilleurs. Donc, les deux meilleurs, c'est ceux-là, avec Evan que je joue en priorité, parce que c'est un trop bon soutien. Ensuite, on a les deux-là qui sont à peu près ex-aequo, mais je préfère le nouveau quand même. Et ensuite, parmi tous ceux que j'ai déjà, celle-là, c'est celle que je joue dans ma team. Donc, c'est parti, let's go. On a 4 chances sur 5 d'avoir ce qu'on veut, parce qu'en réalité, la meuf, je la veux pas. Je l'ai déjà 40 fois. Ah, ça va se jouer entre les deux que j'aime le moins. Ah, vous savez quoi les gars? Allez hop, j'aurais jamais dû cliquer. Allez, la chance est avec nous ou pas? Stop, non. Non mais c'est une dinguerie. Il voulait vraiment que je l'aie. C'est une dinguerie. Deux fois le même perso. Bon, vous savez quoi? C'est très bien, je prends, évidemment. Évidemment que je prends. C'est un nouveau, je l'avais pas. Donc ça fait très plaisir. Tout ce que je voulais pas en réalité, c'était la meuf. Parce que je l'aurais eu en double, même si je l'aime beaucoup. Et que c'est celle que je joue dans ma team. Bah, je l'ai déjà. Et j'aime bien des nouveaux persos. Ah, c'est dommage parce que, je vous dis la vérité, j'aurais vraiment voulu l'un des trois là. Parce que Evan, il est trop fort. Lui, il a trop de flow. Et lui, c'est un nouveau, donc... Donc j'avoue que j'ai eu celui que je voulais le moins, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, code créateur NSQ dans tous les jeux Epic Games. Et puis, ciao !